Finalement, États-Unis, là aussi la Chine, rivaient joindre yon entente sous dossier pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, était connecté n'a venu avec plus de détails pour vous. La police fait un balai vous est là en pile tout en bas code, et parmi tout ça c'était chef gang Canaran. Était connecté, mesdames et messieurs, n'a venu avec plus détail pour vous en dedans tranché mission ça. Pas oublier que vous sous channel Maman Pemba, Mette Béton, Messac News, une chaîne qui est là pour informer ou quel que soit côté où y est. Nous pourrons chercher information pour te baou dans bon timamite. C'est pour ça que vous nous Mette Béton, Mette Info. Eh bien, mesdames et messieurs, et on prend une petite pause avant nous continuer informer parce que, et sous channel ça, information yo, depuis au tombé à la minute que au tombé nous vérifier que ce sont des informations qui vérifiées, eh bien nous pouvons chercher au côté baou dans bon timamite. En tout cas, mesdames et messieurs, n'a prend une petite pause en attendant pendant n'a prend petite pause ça ou qu'à tout profiter fait ça si beaucoup fait ça abonner avec channel là puis petite cloche notification à partager vidéo à et ben vidéo ça un like quitter un commentaire dans espace qui réservé à commentaire n'a retourner pour nous capable continuer informer. Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui d'ailleurs qui écoute, n'a pas gardé et recevoir trans information ça sur channel Maman Pemba, Messac News, une chaîne qui est là pour informer ou de tout ça qui a passé ici dans le pays d'Haïti, et dans le reste du monde là. Eh bien, j'aime te annoncer nous, mesdames et messieurs, gagner Conseil Sécurité ONU, qui gagne pour le réunir demain vendredi 21 octobre là à 10h du matin sous dossier Haïti. Ah, mesdames et messieurs, eh bien finalement États-Unis là aussi avec la Chine semblait joindre une entente sous résolution qui gagne rapport avec sanctions pour gangio en rien pour dit pour l'autre résolution qui gagne rapport avec aide militaire, mais État semblé n'ayant yo décidé là pour yo Genyon entente là pour yo capable et sanctionner gang yo, mais qui si a des sanctions nous pour qu'on connaît et gang yo pas voyager, est-ce que yo pral interdit à rentrer dans pays a, parce que c'est celle sanction moi senti qui capable bon c'est sanctionner moun ka bay monsieur Sam. Mais tout autant, yo pas sanctionné moun kap bay messieurs aux armes. Je pense que c'est un petit messieurs yo pas sanctionné pays a fait carré dans un volume insécurité. Donc, et celle ça m'a conseillé yo, c'est bay moun kap bay ti messieurs aux armes yo sanction que yo mérité, mesdames et messieurs. Et bien, mesdames et messieurs, comme nous connaissons, semaine qui s'est passée là, et te gen Canada qui te rentré dans le pays d'Haïti et qui te vin porter des matériels que l'État haïtien te commandé. Eh bien, zin sous zin, blende la police dans réparation. Pays Canada ban nous en série de matériels tête chargée. Mesdames et messieurs, pays d'Haïti son pays tête chargée. Oui. Son pays devait nous. Mais devait nous, devait nous, c'est parce que nous pas gen l'État. L'État qui doit prendre responsabilité. Eh bien, blende ça yo, yo getan en réparation. Bagay tout neuf, yo getan en réparation. Ta semble nous prendre même blende bo cathédrale yo. Même blende plastique yo. Eh bien, te getan un paquet nek qui te dit blende ça yo kwe la, yo pat kap ka sipote yon Kalashnikov. Eh bien, ta semble, c'était yon réalité ti la pli te fait. Te dit, mesdames et messieurs, eh bien, nouveau blindé yo, getan en réparation. Tandis que, gen un pays, Mali, qui recevra 7 hélicoptères, 20 blindés, nan men la aussi. Et puis, en pile Kalashnikov gratis. Haïti, pays Canada, 19 millions de dollars pour blindé exam. C'est 4 blindés deuxième main qui rentrent pour équipe tête Kalia. Al prend plaisir. Eh bien, c'est comme ça pays a eu. Aïe, nous continuons ça pour le prendre plaisir. Yo ban nous un peu bay deuxième mai. En tout cas, pays d'Haïti, pays spécial, pays tête charge. On quitte dossier ça parce que qu'un des dossiers yo trop. On rentre dans dossier que la police fait lavage.
gen 5 taureaux là qui en bas code et 5 taureaux, 3 garçons, 2 femmes. Eh bien la police rivé mettait la patte sur yo et dans une zone qui relé Fresino. Eh bien moun sa yo yo impliqué dans braquage, volé moto. Eh bien mesdames et messieurs, yo mettait la patte sur yo dans Saint-Marc. Mesdames et messieurs, commissaire Saint-Marc là mettez la patte sur yo dans zone ça qui est Fresino. Eh bien c'était bien compté mal calculé. Les n'a volé bagay moun comme ça, nous connais fon tan faut que la police rive sur nous. Donc moi dis félicitations à la police qui continue à faire un gros travail. Yon l'autre bon mesdames et messieurs, gen chef gang Canaran 90 là qui c'est Jeunesse Firmé alias Timette. J'ai gagné 40 ans chez ces moun commune les Anglais département sud. Eh bien yo mette la patte sou Miché hier qui était 19 octobre 2022 a. Eh bien pour implication présumé assassinat Jean-Claude Deraven, c'était yon employé PNH et yo té brûlé vif par nèg Timetio. Tendez causé. Et bien, bien compté mal calculé, yo mette la patte sous chef là. Chéri le Timette. Bon nom Miché, c'est Jeunesse Firmé, alias Timette, Miché gen 40 ans. Et bien, dans le moment arrestation Miché, yo te mette Miché en bas code dans la zone ça qui est le Pierre Payan, yon localité qui est dans la commune Saint-Marc. Miché était accompagné Pierre John Peter. Yon nèg ki et nèg Saint-Marc même, eh bien yo prend Miché avec toute Pierre John Peter. Bien pour moment là tout de nèg sa on en garde à vue, y a tant de suite judiciaire. Donc c'est bien. Et pendant que la police a frappé, et faut que nous encourager au bat bravo pour yo parce que la police là mérité ça, li mérité yon ti applaudissement mesdames et messieurs. Donc la police mérite yon ti félicitation et même champagne nous t'a de ouvrir pour la police. En tout cas, mesdames et messieurs, et même si moment est difficile, le nou ka ri, faut que nous ri parce que là ou mettons tout comme ça en barcode, yon chef gang qui t'a bay problème. Jan nou konnen peyi a la nan moment n'a vivre la yon situation qui vraiment chaotique. Donc nous dit Kembela Palagi PNH là toujours frappé red. En tout cas, c'est là nous mettons un bout avec mes émissions hein, parce que depuis information en tombé la police fait que la information et puis nous venons informer. N'allez à la prochaine.